Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une grande joie de pouvoir être à nouveau avec vous pour vivre ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu, cette lecture amoureuse de la parole de Dieu. Dieu qui va venir parler à chacun de nous, à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies, par rapport à ce que nous sommes concrètement, parce que Dieu, c'est un Dieu. L'incarnation, Jésus a pris chair de notre chair. Jésus a pris notre humanité. Ça veut dire qu'il va parler aussi à notre humanité, à ton humanité. Mais aussi, Jésus va parler et aussi révéler la soif profonde de ton âme. En fait, la Lectio Divina, c'est la rencontre de deux soifs. La soif de Dieu et notre soif qui se rencontrent dans ce dialogue d'amour et d'intimité. Et c'est de cette rencontre qui vient notre force, qui vient la clarté pour notre chemin, qui vient la joie aussi pour nos cœurs, car nous savons que nous marchons aussi suivant la volonté de Dieu, que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu chemine avec nous. Voilà, cet exercice de la parole de Dieu, de cette lecture priante de la parole de Dieu. Et je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a cinq points, cinq étapes pour faire la Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes au 21 juillet, nous célébrons Saint Laurent de Brindisi, un saint franciscain et docteur de l'Église. Et dans notre Lectio Divina, nous avons des compendiums aussi en français, et nous trouvons cinq questions, cinq pas. Premier pas, voilà, pour nous rappeler, le premier pas, c'est ce que dit la parole. Qu'est-ce que la parole dit objectivement? Nous avons trois lectures, nous pouvons en choisir une et travailler cette parole. Alors, ce que dit la parole de Dieu, concrètement, objectivement, elle parle sur ça, ça et ça. Deuxième question, ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu me parle à moi personnellement? Qu'est-ce que Dieu te parle à toi? Parce que ce que Dieu va me dire à moi, c'est différent de ce que Dieu va te dire à toi. Dieu va venir te rejoindre dans le plus intime de ton cœur, dans les besoins les plus importants dans ta vie. Alors, qu'est-ce que Dieu te parle à toi personnellement, concrètement aussi? Troisième point, troisième étape. Ce que je réponds à Dieu, c'est la prière. Dieu m'a parlé et maintenant il a ma réponse. Ma réponse à la parole de Dieu. Et je vais le mettre par écrit. Ma réponse, ma prière, ce que je réponds à Dieu, ce qui a jailli de mon cœur. Voilà, c'est la prière. Premier point, c'est la lecture. Deuxième point, la méditation. Troisième question, c'est la prière. Troisième étape, la prière. Quatrième étape, la contemplation. Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Quelle est la parole que je vais retenir des lectures d'aujourd'hui? Quelle est la phrase, le trésor, la pépite que je vais garder, qui va me nourrir toute ma journée, que je vais laisser travailler en moi, que je vais laisser vraiment venir me visiter profondément et aussi que je laisse travailler en moi et me conduire. Cinquième étape, la résolution. Comment je suis appelé à vivre la parole? Voilà. Cette parole que le Seigneur m'a dit, m'a adressée à moi. Maintenant, il a la pratique. Comment je vais la mettre en pratique? Comment je vais la vivre? Et celle, c'est la résolution, la décision. Qu'est-ce que concrètement, par rapport à ce que Dieu m'a parlé, je vais faire? Parce qu'il a ma prière, ma réponse, il a la parole qui enflamme mon cœur, mais après, qu'est-ce que je vais faire concrètement dans cette obéissance à la parole de Dieu pour mettre en pratique cette parole, pour que ce soit quelque chose incarné, vécu en nous? D'accord? Cinq étapes, voilà, par à travers la Lectio Divina. Okay? Et aujourd'hui, nous avons trois lectures. La première lecture, c'est du livre du prophète Michée.
Le livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 14, 15 et aussi de versets 18 à 20. Michée 7, versets 14, 15, 18 à 20. Et le prophète va nous dire comme ça, c'est à la fin du livre du prophète Michée que parle sur les espérances. Il dit comme ça, « Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paraître paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique ?» Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès les jours d'antan. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Alors, ici, c'est beau de voir le Seigneur qui paître son troupeau, nous sommes son héritage, et en même temps de voir le Seigneur qui, comme un bon berger, qui prend soin de nos âmes et qui vient enlever la faute et qui pardonne aussi nos crimes. Et comme c'est très important de faire cette expérience du pardon, que Dieu nous pardonne et que nous donne en retour sa paix. Mais c'est un exercice d'humilité, de reconnaître son péché, sa faute. Et c'est un exercice d'humilité pour recevoir sa miséricorde. Et c'est cela qu'il va nous dire le prophète Michée. Il dit, il n'exaspère pas toujours sa colère, mais prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Dans d'autres traditions, ils disent, tu nous montreras ta miséricorde. Une fois de plus, tu nous montreras ta miséricorde. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. On ne va pas les voir plus. C'est fini, nos péchés. Et tu accorderas à Jacob ta fidélité. Le Seigneur veut nous donner sa fidélité. Nous ne sommes pas fidèles. C'est lui qui est toujours fidèle. Dieu ne nous abandonne pas, jamais. Mais sommes-nous souvent qui abandonnons Dieu? Parfois, nous laissons Dieu de côté. Et Dieu, ici, il dit, tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta miséricorde. Le Seigneur voit que dans son amour, il nous enveloppe de son pardon, de sa miséricorde, de sa fidélité. Dieu, il est toujours fidèle. Il nous aime d'un amour éternel. Le Seigneur nous dit cela, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Et comme cette phrase est forte pour nous aider aussi à apprendre à aimer avec cet amour éternel que Dieu met en nous, pour que nous aussi, nous soyons capables aussi de nous aimer les uns les autres à partir de son amour. Voilà la première lecture d'aujourd'hui du prophète Michée. Maintenant, je voulais aussi avec vous lire les psaumes d'aujourd'hui. C'est le psaume 85-84. Le titre, c'est « Prière pour la paix et la justice ». Nous trouvons à nouveau ici le mot « paix ». Et les psaumes, on va lire les versets 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Et le psaume nous dit comme ça, c'est le psaume qui va aussi nous apprendre à prier. Parfois, nous ne savons pas prier et les psaumes nous aident aussi à prier Dieu, à contempler Dieu. Il dit comme ça, « Ta complaisance, Seigneur, est pour la terre, pour ta terre. » Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu, de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge?
Ne reviendras-tu pas nous vivifier? De ton peuple en toi se réjouira. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Voilà. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Voilà, c'est beau de pouvoir prendre les paroles de Dieu qui nous viennent aussi pour prier en nous. Et vous pouvez prendre parfois un verset. Fais-nous revenir, Dieu, de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Fais-nous revenir. Fais, Seigneur, fais-moi revenir à toi à nouveau. Ici, le Seigneur nous invite à revenir à lui. En même temps, il dit, tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu. L'ardeur de la colère, ça veut dire Dieu revient à nous avec amour, avec patience, avec miséricorde. Et à la fin, le Seigneur nous dit, fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et comme nous avons besoin de voir l'amour de Dieu, de contempler l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il vient aussi par nos oreilles. C'est pour cela que c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Comment Dieu nous aime? Bien sûr, Dieu nous comble de sa grâce, Dieu nous comble de sa présence. C'est vrai, mais Dieu aussi nous comble par sa parole, par la plénitude de sa parole. Voilà, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 85-84, nous invite à revenir au Seigneur et aussi de voir son amour. Que le Seigneur enlève de nous tout l'aveuglement qui nous empêche de voir l'amour de Dieu. Combien Dieu nous aime. Et c'est à fur et à mesure que nous voyons l'amour de Dieu que nous aimerons Dieu de plus en plus. Comme il mérite. Comme Dieu est digne. Il est digne de toute notre louange, de toute notre adoration, de tout notre amour. Et les psaumes ici nous enseignent aussi à entrer dans cette attitude. De cette attitude amoureuse. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Il va dire comme ça. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » À celui que l'on informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là, est mon frère, une sœur et une mère. » Jésus dit, « Celui-là m'est un frère, une sœur et une mère. » Dans cet évangile, ce qui me touche, c'est que quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Ça veut dire, ils veulent s'approcher de toi. Ils veulent venir te parler. Et cet exercice de la parole de Dieu, de la lectio divina, c'est vraiment pour nous faire entrer, nous approcher et aussi apprendre à parler, ça veut dire apprendre à prier. C'est beau. Voilà. Comment Dieu aussi nous parle. Il cherche à te parler. Ça veut dire qu'ils ont soif de te rencontrer. Nous avons ces désirs les plus profonds dans le cœur de tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre, ils ont soif de Dieu. Tous, païens, ceux qui sont d'autres religions, ils ont tous soif de Dieu. Nous tous. Et nous attendons, toute l'humanité attend cette parole. Attend la parole de Dieu. Et après, Jésus va dire, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma famille, en fait? Ici, c'est la vraie parenté de Jésus. Qui est ma famille, en fait? Jésus est en train de répondre. Qui est ma famille? Et
Jésus va répondre. Il tend la main vers ses disciples. Qui sont les disciples? Les disciples sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est qu'ils suivent le maître. Ça veut dire que j'écoute le maître, je le suis. Je suis les pas de Jésus. J'ai entendu ses enseignements et je vais les pratiquer. Je me laisse faire par lui. Je me laisse enseigner. Je suis tout petit à côté du maître. C'est ça les disciples. Les disciples sont des petits à qui Dieu veut enseigner ses mystères, veut faire connaître sa parole. Et ici, Jésus va dire, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, une sœur et une mère. » Et ici, la parole de Dieu, « Voici ma mère et mes frères. » Et avant, aussi la personne qui va parler à Jésus dit, ta mère et tes frères te cherchent à te parler. Et si les frères de Jésus, la mère et les frères de Jésus, les frères, c'est comme ici en Afrique, je suis au Cameroun, les cousins, on ne s'appelle pas cousin, on dit frère. Ici, pour notre culture au Cameroun, appeler frère, cousin à un cousin, si je ne l'appelle pas mon frère, c'est une offense. Pour dire que les frères, aussi dont l'Évangile nous parle aujourd'hui, sont le cousin, le membre de la famille de Jésus. Mais Jésus, ici, il est en train de nous dire, il est en train d'élargir sa famille pour dire, tous ceux qui gardent la parole, qui vivent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui l'annoncent, qui la célèbrent, parce que c'est là que nous sommes appelés, comme son Église, à écouter, à contempler, à toucher, à vivre, à proclamer, à célébrer, à annoncer sa parole, comme nous dit la première épître de Saint Jean. Et c'est là que Jésus nous dit, nous montre qui est sa vraie famille. Mais comment faire la volonté du Père? Faire la volonté du Père, ça veut dire que je ne fais pas ma volonté. Parce que souvent, en nous, parfois, il y a comme une difficulté, parfois on peut dire comme un combat entre la volonté de Dieu pour moi et ma volonté. Parce que chacun de nous a une volonté. Parfois, il y a des gens qui ont une volonté faible, qui ne veulent rien, ne font rien, j'ai envie pour rien, je n'ai pas de volonté pour faire rien. La volonté, elle est malade, elle est faible. Il y a des personnes qui ont une grande volonté, une volonté très forte. Je sais ce que je veux ça et ça et ça et ça. Mais l'un et l'autre, par rapport à la volonté de Dieu, ils vont avoir des difficultés. Parce que Dieu va montrer sa volonté, et celui qui n'a pas de volonté va dire « je ne suis pas capable, je ne veux pas la faire, je ne peux pas ». L'autre dit « non, 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 c'est ma volonté que je veux faire, je veux ça ». Il va faire un bras de fer avec Dieu, mesurer des forces avec Dieu. Mais le Seigneur, il propose. Si tu veux faire ma volonté, Jésus dit, c'est lui qui va me suivre, qu'il prenne, renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix, il me suive. Et là, mais ce que suivre Jésus, ce n'est pas des gens mous. Hein. Il faut être fort aussi dans notre volonté pour savoir que je veux suivre, que je veux faire sa volonté. C'est fort aussi, c'est un travail dans notre volonté. Mais le Seigneur nous montre que suivre sa volonté, ça passe par la parole. Si je n'écoute pas sa parole, je ne peux pas vivre sa volonté, mettre en pratique sa volonté. Pour finir, je voulais vous lire de la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Ignace d'Antioche au Magnésien. Il dit comme ça, « Ne soyons pas insensibles à la bonté du Christ, car s'il agissait comme nous, nous aurions disparu. » Ça veut dire que Jésus agit envers nous avec miséricorde, non avec méchanceté, comme parfois nous pouvons avoir en nous. Et après, il va dire encore, le titre c'est « Ayez le Christ en vous ». Ayez le Christ en vous. « Rejetez donc le mauvais levain, vieilli et devenu aigre. Transformez-vous en un levain nouveau, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En lui, devenez du sel,
pour que personne d'entre vous ne connaisse la corruption, car son odeur vous accusera. » Voyez, ne gardez que chose mauvaise en vous. Transformez-vous en élève nouveau. Ça veut dire qu'il a la parole de Dieu va engendrer en nous un cœur nouveau, une vie nouvelle. C'est cela, les fruits de la parole de Dieu en nous. Et après, il va dire encore, « Tout cela fut accompli véritablement. » Il parle de l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Il dit, « Tout cela fut accompli véritablement et certainement par Jésus-Christ, notre espérance, que personne d'entre vous ne s'en détourne jamais, ne t'éloigne pas. » Parfois, il y a des gens qui disent, « Je ne sens pas Dieu, je ne vois pas Dieu. » Mais est-ce que tu écoutes Dieu? Parce que si tu l'écoutes, tu peux toujours le suivre, même à tâtons. Même à tâtons, tu peux le suivre. Parce que tu l'écoutes. Et à la fin, il dit comme ça, « Mieux encore, lorsque j'ai fait votre éloge, je sais que vous en rugissez. Selon ce qui est écrit, le juste est son propre accusateur. » Ça veut dire, ici, il appelle à l'humilité. Parce que c'est l'humilité, c'est toujours le bon terrain pour l'écoute. Et pour l'écoute, il a fait fécondité de la parole de Dieu en nous. Et après, il va dire encore, « Efforcez-vous donc de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, ça veut dire de l'Église, afin qu'en toutes choses, vous réussissez, selon la chair et selon l'esprit, car la foi et la charité dans les fils et les pères et l'esprit, dans le commencement et dans la fin, avec votre évêque, si méritant, et la précieuse couronne spirituelle de votre presbytérium et avec vos saints diacres. » Ça veut dire, et ici, il nous exhorte aussi à la foi et la charité, et en même temps, à la fidélité à l'écoute de l'enseignement de l'Église, et aussi à la foi et la charité dans cette union avec l'Église. Et vivre la lecture divine à chaque jour, c'est aussi de nous mettre dans le cœur de l'Église, dans cette communion de l'Église. Et pour finir seulement, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous célébrons Saint-Laurent de Brindisi, un franciscain qui, à l'époque de la réforme de l'Église, où c'était un homme qui a beaucoup prêché. C'était un grand prédicateur, franciscain, docteur de l'Église, qui annonçait beaucoup la parole de Dieu pour la conversion des pécheurs, contre les hérésies, et ça veut dire contre tous ceux qui se séparaient, l'Église catholique, tous les protestants, qui communiquaient la parole de Dieu pour les faire revenir à cette communion de l'Église. Et aussi, c'était un homme qui était un cœur enflammé de l'amour du Seigneur. Voilà, pour la conversion des païens qui ne connaissent pas Dieu. Il a même combattu, c'était à l'époque des croisades, où il a combattu aussi des gens, des infidèles, bon, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, le Dieu Jésus-Christ. Bon. Et qui voulait annoncer Jésus. Mais c'était un homme qui, c'est vrai que dans notre histoire de l'Église, il a eu des choses pour lesquelles déjà nos papes ont demandé pardon. Mais derrière cette croisade dont il a aussi participé, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Est-ce qu'il est, et nous tous, on peut dire pour nous tous aussi, c'est lui qui aime Dieu pour faire connaître Dieu. C'est cela le plus important à retenir. Le Seigneur nous appelle à nous tous à être des disciples missionnaires du Christ pour annoncer, témoigner de la parole, des merveilles du Seigneur dans nos vies. Parce que c'est notre témoignage de la parole contre les témoignages, personne ne peut dire c'est faux. Parce que le témoignage, c'est ma vie, c'est notre vie, c'est ta vie. Et son nos témoignages imprégnés de la parole de Dieu vont toucher les cœurs. Et c'est cela que nous voulons tous, sans Laurent de Brindisi, et toi et moi, que voulons faire connaître Dieu, pour que beaucoup de cœurs puissent connaître cette joie et cette paix qui vient de Dieu. Et cette paix, cette joie, c'est déjà les signes
du royaume du ciel qui est déjà ici-bas, sur terre. Et je finis ce moment de lectio divina en vous donnant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse les Dieux Tout-Puissants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. À bientôt.